La légalisation du cannabis thérapeutique refait débat. Certains partis ont totalement occulté le sujet de leur programme et de leur profession de foi, quand d'autres l'abordent brièvement. Toujours est-il que cette question sociétale interpelle une fois encore les associations. Le futur gouvernement aura-t-il le courage d'aller plus loin? Élément de réponse avec Rouane Potorou et Patita Savia. 3 ans déjà que Heitapu se soigne au cannabis thérapeutique pour soulager ses douleurs vertébrales. Les avantages sont réels en 3 secondes. Ses maux disparaissent sans aucun effet secondaire. Un changement radical dans sa vie. Quand j'étais sous morphine, j'étais à 54 kilos, je ne m'alimentais plus. Je suis à 61 kilos. Voilà la différence. J'ai repris la vie, j'ai fait du qigong, j'ai fait de la marche, j'ai fait du jardinage. Le centre de la douleur va te dire, oui, on va vous donner un autre moyen, on va vous détruire les neurones. Comme ça, vous n'allez plus avoir mal. Vous vous rendez compte? On dit que le cannabis détruit les neurones, mais eux, ils ont une machine qui détruit le neurone, et eux, on leur permet de détruire nos neurones. Il est temps peut-être de passer à autre chose et de vous adresser à des gens, à d'autres médecines, comme celle du cannabis. Depuis novembre dernier, une loi de pays pour la légalisation du chanvre a été adoptée. Une avancée certaine, mais insuffisante encore. Pour le syndicat polynésien du chanvre, il faut rapidement clencher l'outil législatif pour encadrer cette filière de demain. Il faut qu'on fixe justement tout ce cadre légal qui va venir donc encadrer cette légalisation du cannabis médical. On parle de normes de production, on parle de normes de transformation, d'analyse, quelle variété de cannabis on va planter, quelles sont les conditions d'autorisation et de refus, justement, pour pouvoir produire du cannabis ici en Polynésie française. Voilà, tout ce travail législatif, c'est ce qu'on attend du futur gouvernement qui sera élu donc, le 30 avril. Et en matière de développement économique, le président de Tahiti Herb Culture en est convaincu. Le cannabis thérapeutique sera une ressource certaine pour le Fénois. Si je vous parle du CBD, c'est 120 milliards francs pacifiques. C'est rien qu'en France, quoi. Hein. Pour le marché médical, en France, c'est 50 milliards. Okay, sur 3000 patients. Nous, on a évalué à 1 milliard le marché médical pour 3000 patients ici en Polynésie, simplement. Donc, c'est pas que c'est non négligeable aujourd'hui dans la situation où on est, faut pas réfléchir. Et pour accélérer le processus de la légalisation, les associations ont organisé cet après-midi une conférence de presse pour sensibiliser le monde politique à leurs doléances. Seront-ils sensibles ou pas? Verdict au prochain gouvernement qui sera mis en place après le 30 avril. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.